Bonjour tout le monde, Stéphane Beauchamp, j'espère que vous allez bien. Alors, on fait un merengue qui s'appelle le merengue créole. C'est une chorégraphie de M. Louis Perret. Alors, à l'origine, c'était sur une musique qui s'appelle Ali Baba. Nous, on le fait sur différentes musiques. Des fois, ça peut être Suavemente, des musiques à la mode. C'est une danse où est-ce qu'il y a 4 fois 8, donc on peut faire ça sur différentes musiques. La musique qu'on prend aujourd'hui, on fait 3 fois 8 plus 10. Et dans cette musique-là, il faut faire une petite transition, mais normalement, si vous le faites sur une autre musique, il n'y aura pas de transition. Alors, on fait la démonstration et les explications. Cinq, six, sept, huit. Hay en mi barrio, hay una chica que cuando va al mini super y todo el mundo la está mirando, hay como caminando con su faldita apretadita y entre la gente solo se escucha el bla 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 cuando ella pasa, el bla 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 cuando ella pasa. Le début. Avec les explications, on débute avec le pied gauche. Comme on peut voir, c'est une danse qui n'est pas tellement longue, accessible à tous, là. Alors, comme on a vu une transition sur cette musique-là, mais c'est juste dû à cette musique-là. Si vous changez de musique, il n'y aura probablement pas de transition. Alors, on débute avec le pied gauche en marchant. 1, 2, 3. Déjà à 3, on va commencer à tourner un huitième pour lever le genou, un peu comme on fait dans le continental. Sauf que dans le continental, c'est de l'autre côté. Alors, on commence avec pied gauche. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Et ici, on va balancer en avant et en arrière. 5, 6, 7, 8. On recommence. Pied gauche. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Lève le genou. Balance en avant. Balance en arrière. Quand on est rendu ici, on va avancer le pied droit. Et on va aller tourner vers la gauche. Un, deux demi-tours. On va de côté, quart de tour. Et on fait un kick en avant pour le quatrième pas. Alors, si on le refait du début, pied gauche, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. On tourne. 1, 2, 3, kick et rendu. Si on fait un lock step, on va tourner légèrement, donc un huitième, pour aller se positionner ici. Et en reculant, on va revenir par contre face au mur. Donc, on a fait le kick à 4. On fait 5, 6, on est tourné un petit peu. 7, 8, on va aller de côté et vers l'arrière. Donc, ça fait 4 kicks, 5, 6, 7, 8. Voyez-vous, on va un petit peu en diagonale. On le recommence du début. Pied gauche, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, kick, 5, 6, 7, 8. On poursuit avec des chassés croisés. On croise en avant. 1, 2, 3. On fait un rond de jambe. 4, on revient. 5, 6, 7 ronds de jambe. On le refait du début. Pied gauche. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va tourner. 1, 2, 3. Kick, lock, step. 6, 7, 8. Croisé. 2, 3 ronds de jambe. Croisé. 6, 7 ronds de jambes. Et pour terminer, on balance en avant et en arrière deux fois de suite. Donc, en avant, sur place, en arrière, sur place, en avant, sur place, en arrière, sur place. Autrement dit, 8 temps. Alors, si on le fait au complet, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, kick. 5, 6, 7, chassé croisé. 1, 2, 3 ronds de jambes, 5, 6, 7 ronds de jambes. On balance, 2, 3, 4, on balance, 6, 7, on recommence. 1, 2, 3, hop, 5, 6, 7, on tourne. 1, 2, 3, kick, lock, step, 6, 7, on croise. 1, 2, 3, ronds de jambes, 5, 6, 7 ronds de jambes, on balance. On balance. La petite transition qu'on fait sur cette musique-là, sur une autre musique, ce ne sera pas nécessaire. Sur cette musique-là, après 5 fois la routine, on va de chaque côté et on fait côté touché. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on repart la danse du début. Il n'y a pas de finale en tant que telle. Là, la musique diminue. On suit la musique. Alors, juste un petit détail. Quand vous croisez, on est légèrement plié. Ça fait plus beau et les ronds de jambes sont plus grands. Alors, merci beaucoup et bonne danse.